Thank you.
Thank you.
expérience durant son apprentissage. J'ai décidé de ne plus travailler chez moi parce que ma voisine était au bord de la crise de nerfs chaque fois que j'ouvrais la bouche. Oh, que c'est dur. À l'âge de 25 ans, Anne ignorait encore qu'elle avait une voix. Et rien ne la prédisposait à devenir chanteuse d'opéra. Après quelques années de piano, elle s'était prise de passion pour le saxophone au point de créer, avec d'autres filles, un groupe de jazz qui occupa quelques années de sa vie. Ah, que de souvenirs, mon petit saxophone. Eh ben voilà, on a passé une dizaine d'années ensemble, non, même pas 8 ans. J'ai commencé à chanter dans cet orchestre, à chanter d'abord timidement, puis ensuite de moins en moins timidement, à y prendre de plus en plus de plaisir, de là à prendre des cours de chant pour développer ma voix, et puis à découvrir le répertoire lyrique, et puis à y prendre tellement de plaisir que finalement ça occupait toutes mes journées, toute ma vie. Quand je vais à l'opéra ou que j'entends de grands interprètes, de grands chanteurs, bon, vraiment, ça m'émeut énormément. Je me dis, oui, j'aimerais vraiment chanter comme ça. C'est tellement immense comme réalisation de soi que quand je dis que le jeu en vaut la chandelle, c'est vrai. Ça vaut le coup de se donner tous les moyens pour arriver à faire ce métier comme il faut. Ein weißen Fleck des Mundes. Chanteur d'opéra. D'Arnold Schönberg. Anne, qui se veut une chanteuse de son temps, n'est plus une débutante. Elle a 30 ans, 5 ans d'études derrière elle, et pourtant, elle n'a fait que la moitié du chemin. Ces 10 années d'apprentissage sont déjà passionnantes. Il n'y a pas de secret, si on chante trop vite, sans avoir une vraie technique, sans avoir une vraie connaissance de sa voix, de son corps et de son être, parce que c'est une très grande remise en question, on ne peut pas chanter longtemps ou on ne peut pas chanter vraiment. Les aléas de la fortune, il lui faudra plusieurs cordes à son arc vocal. Et elle peut à l'occasion se muer en chanteuse de cabaret, comme ici, au Madigan. Il y a toujours des auditions à passer, il y a toujours des spectacles qui ont besoin d'artistes, toujours une porte de sortie, il y a toujours des gens qui ont besoin d'artistes. Anne donne des concerts et décroche déjà des petits rôles dans des théâtres de province qui lui rapportent entre 3 000 et 8 000 francs par soirée. Le problème pour elle, c'est de signer suffisamment de contrats dans l'année pour gagner correctement sa vie. J'ai un peu du mal à... 52 sur la Une ne sera pas diffusé en juillet et en août. Nous retrouvons...